Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de Jour de Foot, deuxième journée du championnat de France de Ligue 1. Vous avez raison d'être avec nous. Encore beaucoup de choses ce soir. Regardez le programme complet de cette deuxième journée. Énormément de matchs à suspense, notamment un Monaco-Saint-Etienne ou encore un Lyon-Toulouse. Une journée qui a bien démarré avec la très belle victoire de Bordeaux à Lorient. Grande manœuvre dans ce Jour de Foot de Guy Lacombe au Paris Saint-Germain. On reviendra encore sur la semaine de Franck Ribéry du côté de l'Olympique de Marseille. Et Lyon qui a retrouvé normalement ses mondialistes cette semaine. On va justement, regardez, il est là, allez saluer Philippe Bruet qui est pour nous au Stade Gerland. Salut Philippe. Bonsoir Alexandre, bonsoir à vous. Alors on l'a dit, les mondialistes sont normalement de retour pour Gérard Houllier, on le sait la semaine passée. Lyon avait réussi sans ses mondialistes sur la pelouse de Nantes pour l'ouverture de ce championnat. Ils sont revenus cette semaine. Une dernière répétition, c'était mercredi avec une victoire 1-0 face à l'UNFP. Alors ils étaient attendus ce soir. Est-ce qu'ils sont là, Philippe, et est-ce qu'ils ont joué, ces mondialistes? Voilà, c'est la question. Que des mondialistes étaient attendus. Il y en a un qui était sûr d'être attendu et sûr d'être présent, c'est le gardien Grégory Cooper. On va vous le montrer tout de suite, parce que là, il n'y a pas eu de surprise. Grégory était bien présent, il était très concentré, il était là dans ce match dès le coup d'envoi. Et puis le banc, regardez ce banc présenté par Gérard Houllier ce soir. Vous avez Juninho au milieu, vous allez apercevoir Thiago, Chris, il y a également Fred, Malouda. Alors il y a eu un banc mouvant, c'est-à-dire que certains de ces joueurs sont entrés. Vous verrez par exemple l'entrée tout à l'heure de Juninho sans tout vous dire. Malouda est rentré également et ça ne s'est pas arrêté ici. Simplement, on est en train de vous préparer un long et bon résumé. Trois mots du spectacle. Vous parliez de suspense. Il y en a eu aussi à Gerland. Rebondissement. C'est un joli cocktail qu'on est en train de vous préparer pour ce premier match en championnat à Gerland de l'Olympique Lyonnais, championne de France. Ça, c'est sûr. Vous restez avec nous, Philippe. On se retrouve tout à l'heure. Avant cela, on va rentrer dans ce Jour de Foot avec tout d'abord quatre formations qui ont perdu lors de la première journée la semaine passée, qui se retrouvaient ce soir, ces quatre formations. La première confrontation, eh bien c'est ce match entre Nice et Nantes. Deux équipes qui ont pourtant proposé énormément de choses lors de la première journée. Nice notamment au Mans, mais surtout Nantes qui a fait douter Lyon jusqu'à la toute dernière minute. Alors qui, ce soir, de ces deux formations pour enfin capitaliser ses bonnes dispositions? Eh bien la réponse avec Philippe Genin du côté de Nice. Bakary Koné bien titulaire ce soir au plus grand plaisir des supporters niçois, tout comme Matt Moussilou dont c'est le 100e match en Ligue 1 avec l'OGC Nice, le transfuge du LOSC. Première minute de cette rencontre et un superbe coup franc déjà en faveur des Niçois, signé Palmont, touché du bout du gant par Stojkovic. Le corner à suivre avec Matt Moussilou et surtout Cédric Varro, le capitaine niçois, tout près d'ouvrir le score. C'était la troisième minute de jeu dans cette première période. Matt Moussilou déjà en vue, mais son capitaine, le défenseur Varro, frappe nettement au-dessus de la cage de Stojkovic. Les Nantais avec Wilhelmsson sont pressés. Regardez, il y avait Veyrua et surtout l'intenable Florent Balmont et Bakary Koné. Koné qui va aller fixer la défense, frapper. Stojkovic détourne et le retour de Loïc Guillon fait la différence face à Bakary Koné. À court de forme, bien entendu, il était blessé. Il n'a eu que 3 semaines de vacances, mais il montre déjà l'étendue de son talent. Toujours 0-0 dans cette rencontre. Serge le disait, demande à ses joueurs d'écarter un petit peu plus le jeu avec Boukari pour Faé qui va prendre le dessus ici sur Rod Fanny. Il va pouvoir centrer pour retrouver Mamadou Diallo, le meilleur buteur la saison dernière du groupe nantais. Frappe nettement à côté de la cage de Hugo Lloris. Grosse occasion ici pour les Nantais de le diser. Et puis coup dur pour l'OGC Nice. Regardez, Marama Veyrua sort sur une civière après un coup, semble-t-il, anodin de Boukari à la gorge. Le Tahitien va s'écrouler une première fois, puis une deuxième lorsqu'il revient sur la pelouse dans le rond central. Gros moment de frayeur, bien entendu. On n'aime pas ce genre d'image. Ça rappelle de très très mauvais souvenirs. Et puis il a l'air d'avoir le souffle coupé, de tousser. Il est remplacé en tout cas par Ederson, transféré définitivement à Nice. Coup dur donc pour les hommes de Frédéric Antonetti. Les coups de pied arrêtés se multiplient pour les Niçois avec la frappe de Cyril Roll et Vladimir Stojkovic, l'ancien gardien de l'étoile rouge de Belgrade. Le Serbe vient détourner ce ballon. Regardez, lui qui était incertain avant le début de cette rencontre. Et puis bonne nouvelle, Veyrua revient un peu groggy, la voix cassée. Nous voici en seconde période, 9 minutes de jeu, nouveau coup franc niçois. Il y a Balmont et surtout Honorato Ederson pour l'ouverture du score après 54 minutes de jeu dans cette rencontre. La joie d'Ederson fait plaisir à voir, celle de Pancho Abbandonado qui vient le féliciter également.
Tout le groupe niçois est survolté et surtout récompensé de ses efforts. 1-0 pour l'OGC Nice face au Football Club de Nantes Atlantique. Les Nantais de Serge Le Disait fêtent aujourd'hui leur 1600e match en Ligue 1. Le premier avait eu lieu en 63, Marcel Saupin face à Sedan avec un nul, 2 buts partout. Et là, ils sont menés ici au Stade du Rail avec des Niçois intenables. Il y a Ederson. Ederson, Matt Moussilou et Vladimir Stojkovic qui vient détourner la frappe de l'ancien attaquant du LOSC avec un gros et très joli travail d'Ederson. 2 minutes de jeu dans cette rencontre. Lloris, le gardien niçois, est attentif. Il y a Julio Rossi pour un ultime coup franc. Et ça passe, 88e minute, donc égalisation des Nantais grâce à Julio Rossi qui avait débuté ici même le 14 janvier dernier avec un nul 0-0. Là, c'est un nul, 1 but partout entre Nice et Nantes, au grand désespoir, bien entendu, de Frédéric Antonetti qui perd peut-être 3 points précieux. Et 3 points précieux perdus par Frédéric Antonetti, mais le point est pris en revanche pour Nantes dans ce championnat de France de Ligue 1. Deux autres équipes s'affrontaient donc ce soir alors qu'elles avaient perdu lors de la première journée. Là, l'affiche peut être un peu plus pétillante puisque c'était Monaco face à Saint-Étienne. Et là, à l'inverse de Nice et de Nantes, eh bien, déception dans le jeu en plus du résultat. Les Stéphanois avaient été battus à domicile par Sochaux et le nouveau Monaco de Laszlo Bologni avait été battu à Nancy. Tiens, juste une petite image avant de partir dans cette confrontation. Regardez, c'est les retrouvailles entre les deux Tchèques. Regardez, c'était... juste avant la rencontre, Yann Kohler, le géant, et il va passer juste devant lui. C'est Ivan Hašek, l'entraîneur de Saint-Étienne. Ils se connaissent, les deux hommes, en 99. Imaginez-vous, il y a maintenant 7 ans, Kohler faisait ses grands débuts en sélection nationale et Ivan Hašek était l'adjoint de cette sélection. Voilà pour cette belle image. Place maintenant à la confrontation, le Stade Louis II, Philippe Doucet. Et en tout cas du côté de Monaco, mais beaucoup de changements, 5 exactement, avec la rentrée notamment de Di Vaio par rapport au premier match. Ça, c'est Gad Elmaleh, lui ne joue pas, je vous rassure, c'était juste pour le coup d'envoi. Les Monégasques qui vont bien commencer ce match avec Bernardi et Plasil en milieu défensif pour rééquilibrer l'équipe, et puis Di Vaio qui réussit un superbe contrôle avant d'enchaîner par cette frappe du gauche et un raid de Jérémy Janot. En tout cas, dès les premières minutes, les Monégasques ont été dangereux, y compris Kohler dès la toute première minute. Et puis on arrive à la demi-heure de jeu et cette tête, longue tête d'Ilunga et ce geste inattendu de Pascal Feinduno à l'arrivée de cette longue touche repoussée par la tête du jeune Sambou. Et Feinduno très étonnant d'équilibre. Regardez la tête de Sambou et Pascal Feinduno, vraiment un geste étonnant d'équilibriste vraiment pour arriver à marquer ce premier but. Premier souci évidemment, tracas pour Laszlo Bologni, son équipe qui à ce moment-là équilibrait largement le match. Le but intervient à la 12e minute, pardon, je me suis trompé sur la minute. Et les réactions au Monégasque, eh bien, il y a ce tir de Calonne qui vient quand même d'assez loin. Et puis il y a une très très bonne période stéphanoise, une vingtaine de minutes durant lesquelles les Stéphanois dominent dans l'ensemble. On arrive sur la toute fin de la première période avec plusieurs actions litigieuses et notamment, ça se termine, il y a eu un geste d'Ilan auparavant et puis il y a celui-ci de Calonne qui est pas très net du tout, même sur Vincent Ognon. La Slobonie évidemment n'est pas très content, Calonne ne comprend pas, c'est en fait sur l'indication de son assistant David Benec que M. Piccirillo a décidé carton rouge direct. Ça correspond aussi aux instructions reçues naturellement par les arbitres durant l'intersaison sur les coups de coude. Celui-ci n'était vraiment pas manifeste. Les Monégasques, eh bien, ils sont surprenants en ce début de deuxième période. Vous avez vu Gapke réussir une superbe frappe, un arrêt de Janot. Et puis ici, Gapke, un centre en retrait magnifique. Et Plasil qui subit un petit peu ce ballon, qui en tout cas ne parvient pas à le mettre au fond des filets. Les Stéphanois reprennent quand même globalement le contrôle de cette partie. Action collective de qualité avec Landrin qui glisse à Piquion. Et Piquion qui vient inscrire le second but. Cette fois-ci à 10 minutes de la fin, ça paraît trop difficile pour Monaco, réduit à 10 et maintenant mené 2-0 avec des gestes ici à droit de la part des joueurs stéphanois avec cette passe
du bout du pied de Landrin et ce pointu efficace du gauche de Piquen qui avait déjà marqué contre Sochaux, qui marque donc son deuxième but déjà de la saison et qui semble assurer une victoire maintenant assez nette pour Saint-Étienne, alors qu'il reste 10 minutes à jouer, que les Stéphanois ont encore des possibilités de contre-attaque où ils gardent le ballon longuement autour de Gomis, autour de Feindouno. Ici c'est Gomis qui est rentré à la place de Piquen et qui réussit une frappe le long du poteau de Roma. Monaco n'aurait pas mérité ça. Ça, c'est déjà assez lourd avec ce handicap d'un homme, avec ce handicap de deux buts. Et puis Monsoro lui a montré beaucoup de disposition au poste d'arrière gauche sur lequel il était titulaire ce soir. Regardez Koller, une reprise assez spectaculaire qui permet à Jeannot de briller une fois de plus. Monsoro qui a fait beaucoup de débordements. Il était titulaire arrière gauche mais il a joué beaucoup plus haut sur l'aile gauche. Et puis Leko qui est rentré en cours de jeu, une maladresse de Bilos, l'argentin de Saint-Etienne sur le croate, un pénalty sifflé par monsieur Piccirillo, obstruction assez claire de Bilos. Gérard qui est rentré lui aussi en jeu prend à contre-pied Jérémy Jeannot. Il reste à cet instant 6 minutes en comptant les arrêts de jeu et les Monégasques se replacent. Ils ne sont qu'à un but, ils sont menés 2 buts à 1 et ils vont pousser toutes les dernières minutes, faire tous les efforts nécessaires avec Maurice Bellet, un long ballon dans le paquet, une tête de Givet, une autre de Colère, une menace donc entretenue jusqu'au bout sur Jérémy Jeannot et les Stéphanois. Mais à l'arrivée c'est la victoire de Saint-Étienne, 2 buts à 1, qui plonge évidemment la Slovaque Bologne dans la perplexité. Deux défaites pour Monaco en ce début de saison et Saint-Étienne qui se reprend. Ce but, justement, on avait travaillé ça à l'entraînement, longue touche. Non, vous n'avez pas travaillé la reprise de volée que vous avez fait quand même. Non, si, bon, l'action, je veux dire. On avait travaillé ça à l'entraînement, une longue touche et déviation de Piquen. Bon, un attaquant se présente ou quelqu'un d'autre. Bon, là, j'ai tenté la reprise. Ça a donné un but, mais on est très très content, quoi. Il est très beau le sourire de Pascal Feindouno. En revanche, vous le voyez, très mauvaise opération pour Monaco sur sa pelouse. On va justement retourner du côté du stade Louis II puisque Laszlo Bologni, l'entraîneur de Monaco, nous a fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Laszlo. La première question, Laszlo, va être très simple, si vous m'entendez bien. Nouvelle défaite dans ce championnat de France de Ligue 1 après la défaite la semaine passée. Votre première impression, vous n'avez pas très content à la mi-temps? Non, parce que j'écoutais attentivement les commentaires des enregistrements et je ne crois pas que c'était les arbitres ont eu des indications quand il n'y en a rien. Et que le joueur il se blesse parce qu'il attaque la balle, je ne crois pas qu'il y a des indications que malgré tout il faut l'expulser. Donc quand il n'y en a rien, il n'y en a rien. Il ne faut pas avoir peur parce qu'on a, c'est vrai, c'est spectaculaire, il y a des sangs, mais il y a des accidents et il y a des agressions. Ici, il n'y en a rien. Alors bien sûr que je n'étais pas content parce qu'on était mené et que je viens d'avoir un joueur expulsé. Je ne peux pas être content. Laszlo, 11 ans que Monaco n'avait pas si mal de commencé le championnat de France. On a entendu Flavio Roma sur votre rencontre, à la fin de la rencontre, dire que Monaco n'était pas bien. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce qu'on a vraiment ce sentiment que Monaco n'est pas encore dans ce championnat, n'est pas bien? À partir du moment que Monaco il perd deux matchs, c'est logique, on ne peut pas être bien, c'est normal. Flavio Roma encore? Oui, Laszlo. Pardon? Juste pour vous préciser que Flavio Roma encore, votre gardien, disait que Monaco était en retard. Il faisait référence d'abord au match, les Monégasques ont été en retard dans cette rencontre. Il parlait également en retard en dehors du terrain, notamment pourquoi pas sur le marché des transferts. Où on en est aujourd'hui à Monaco? Qu'est-ce qu'on attend encore? Par rapport à ça, j'aimerais dire que c'est vrai que c'est perturbant de ne pas avoir au moins le disons 75% de tes joueurs pendant la préparation, parce qu'on a besoin de faire des parce qu'on a besoin de se sentir un petit peu, et c'était pas le cas. Mais je ne suis pas celui qui abandonne. Je veux impérativement continuer le travail parce que c'est que comme ça qu'on peut avancer. Je préfère travailler durement. C'est bon, on est en train de goûter l'enfer. Et puis ça va être mieux quand on va s'en sortir de l'enfer.
On l'espère pour vous, Laszlo. Merci à vous d'être resté avec nous. Et on espère voir votre sourire, le même que celui que vous aviez au début de la rencontre lorsque vous aviez croisé le grand Yann Kolleur, votre compatriote. On espère le voir, ce sourire sur votre visage. Merci, j'espère. Merci à vous et bonne continuation à l'Est Monaco. Voilà, toujours en direct sur Jour de Foot. D'ici quelques minutes maintenant, on va aller voir tout ce qui se passe à Lyon et du côté, bien sûr.